Gauthier et Bonnefoy qui jouent en Ligue B à Saint-Jean-d'Illac. On ne pouvait que terminer par lui, le cadet de cette équipe. Il n'a encore que 14 ans, Noah Duflo. Ils étaient finalistes l'année dernière. Ils ont remporté deux étapes cette fois-ci. La première, l'étape des Sables d'Or. Ils ont gagné aussi hier l'étape de 5A. L'équipe du surf bar, on va commencer par le passeur, défenseur hors du commun, Jérémy Mouyel. Et de François, forcément, quelle hauteur d'intervention chez ces deux joueurs. On commence avec François Huette. François est la Nantes, Jérémy à Cannes. Et on termine par François Rébérol, l'autre attaquant fort de cette équipe. François Rébérol qui rejoindra le club de Nice l'année prochaine. Un trois joueurs qui évoluent au plus haut niveau français. C'est pour dire le niveau ici cette année sur les estivales. On va les laisser prendre place sur le terrain. Alors j'ai entendu quelques murmures dans le public, pensant peut-être que c'était une blague. Non. Noah n'a pas encore 15 ans. Et il est en finale du prestige. Tournoi Open 5A, consommant en finale sur le terrain numéro 4 des arcades. Paris Kiki, la régalette sur le terrain numéro 4 des arcades. Et voilà, pour aller au bout de l'info, Bruno Guillaume Respo vient juste d'avoir 15 ans. Il va y avoir de belles bagarres au filet, des gros duels. Le premier est remporté par l'équipe de surf bar et on retrouve Jérémy Mouyel au service. Ouais, on retrouve Noah au service. Noah dit au point. Oui, deuxième duel remporté par François Rébérol. Ça fait 2-1. Belle tête de Noah. Vraiment pas loin ce service, juste en dehors des limites. François Huette au service, 3-2. Open 5A, l'équipe dure, le réveil dur est attendu au point info. Open 5A, l'équipe dure, le réveil dur. Noah Duflo touché au bloc par François Huette. Clotilde et Marc et Gauthier sont attendus chez Papou et Manou. Clotilde et Gauthier. Oui, on a vu la ligne bouger, le ballon qui touche la ligne fond de terrain. Et ils ont fait un petit break dans ce premier set, l'équipe le surf bar 5-3. Changement de côté, c'est la défense qu'on maintient. Alors on va changer de côté maintenant, on a tellement l'habitude de tourner tous les 10 points pendant 9 jours, on tournait tous les 10 points pendant 10 jours jusqu'à cette finale, donc c'est pas grave là, il faut prendre le changement. Point info, l'équipe crête au sucre.
Mais oui, il y a un gros début de match pour l'équipe Le Sorvar, puisqu'il mène pour le moment 7-3 dans cette finale, premier set de la finale. Seul, sans bloqueur, il va s'amuser François Huetz. Et oui, hein, Bruno, on a même vu des équipes aller à deux sur François Huetz au bloc pour tenter de l'empêcher de mettre des trous. De Noir. Alors, désolé, on a des petits soucis, indépendant de notre volonté sur le micro. Donc, parfois, de petites coupures, changement de côté, 9-5 pour le surf bar. Y a-t-il des supporters pour le surf bar dans le public? Moi. Et pour le petit Saint-Michel? Alors, n'hésitez pas à faire du bruit pour l'une ou l'autre des équipes. 6-9. Habitué à le voir rentrer fort dans le ballon que lorsqu'il varie le jeu en déposant des petites balles derrière le bloc, ça surprend forcément l'adversaire. Changement de côté, hein. Gardez vos bonnes habitudes de les encourager, de les applaudir sur les changements de côté. Ce sont en plus hein, deux équipes qui vraiment sont sensibles aux encouragements. On vous garantit avec Bruno que plus vous ferez du bruit, meilleure sera cette finale. Les deux François, lorsqu'ils sont en situation maximale, c'est compliqué de mettre les mains sur le ballon au bloc. Et
Après la faute, la balle avait déjà tapé le sol. Allez, d'une manière très fair play, Gauthier qui lui qui a touché le filet après son attaque. On ne sait pas si le ballon avait déjà touché le sol, le point déjà fini. Allez, on met la balle à remettre. On reste à 13 à fond. Vous pouvez revenir, oui, c'est très fair play de sa part. Là, là, ouais. Allez. C'est ça le but, c'est ça le but, volet 3-3. Jouer en équipe de France également. Allez, ah, le spectacle est là avec ses services Skygo. Hier, il y avait un petit concours organisé par l'équipe d'animation, concours de Skygo qui allait taper le plus haut. Et ses services peuvent être très efficaces, difficiles pour la réception quand le soleil est dans l'axe ou bien avec le vent. Les 7 se jouent en 21, donc on est déjà sur la fin du premier set. Thank you.
Et solo Bien, c'était le côté 23. Gros serveur aussi, un gros service matché. 15-19. Juste derrière. Et ballon de 7. Première balle de 7 en faveur. On peut les applaudir. Ils changent de côté. Tous les 7 points. 35. 20, 15, balle de 7 en faveur du serveur. Déjà la première balle de 7. Ensuite, premier 7. François Huetz au service. Rendez-vous à la buvette. Merci François. 16-20. Mais la deuxième est la bonne. Premier set en faveur de l'équipe Surfar. 21-16. Le feu est parqué, le feu est prêt. Il va y avoir une réaction, c'est sûr, dans le deuxième set de l'équipe Le Petit Saint-Michel. Mené 1-7-0. Ce n'est pas terminé. On les a déjà vus, hein, Bruno, remonter des situations bien plus compliquées. L'équipe du Petit Saint-Michel qui nous surprend par sa combativité depuis le début de ces estivales, de cette 31e édition. Ils sont au rendez-vous. Oui, ils ont eu du mal à rentrer dans le match, ça se sent, mais ça y est, ils sont chauds. Notamment Gauthier est un joueur qui a besoin d'être chaud. Il est chaud, 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 bouillant sur un terrain. Et là, ça y est, c'est bon. Le premier set est passé. On va voir ce qui va se passer tout de suite dans le deuxième set. Est-ce que l'équipe du Surf Bar qui avait perdu en finale les dernières, alors le Surf Bar a gagné mais avec une autre équipe, mais ces trois joueurs avaient perdu les dernières. Belle triplette. Cette triplette très performante, peut-être seront-ils partis pour engranger de nombreux titres sur les estivales. On a déjà vu des équipes gagner une fois, puis deux fois, puis trois fois d'affilée, avoir la main mise sur ces estivales. Mais le match n'est pas terminé. Ils n'ont gagné pour l'instant que le premier set. 21-16, ça repart. N'hésitez pas également à faire du bruit pour le Surf Bar. Allez, c'est reparti dans ce deuxième set. Service, Surf Bar, Jérémy Mouyel. Allez, forcément, c'est un nouveau match qui commence. Et c'est le petit Saint-Michel qui remporte le premier point dans ce deuxième set. À la filouterie de Jérémy. Allez, un nouveau Skyball. Non, cette fois-ci la balle n'est pas touchée par le bloc. Nouveau point pour l'équipe Surf Bar qui mène 2-1 dans ce deuxième set. Quelle attaque de François Rébérol
Elle est dans les 1m50, claquer cette balle. Il a totalement tourné sur son épaule droite. Et la même chose pour moi. Engagé sur la diague par le corps, il tourne sur son épaule et va chercher la ligne. 3, égalité. Changement de côté, changement de côté Gauthier. 4-3 en faveur du petit Saint-Michel. C'est bien l'équipe du petit Saint-Michel qui mène pour le moment dans ce deuxième set 5-4. Quel bloc de François Rebrol. On rappelle au passage une petite règle. Vous avez vu Gauthier retoucher le ballon, c'est parce que le bloc ne compte pas comme une touche de balle au volet. Saint-Michel qui continue en tête, un petit point, et qui garde la tête dans ce deuxième set, 7-6 en faveur du petit Saint-Michel. Super bon. Balle décalée, attaque rapide. Cette égalité, changement de côté. Les supporters du petit Saint-Michel, vous êtes là? Et pour le top bar, vous êtes là? Le petit Saint-Michel! Et voilà! Bienvenue à la solution, ok. Ok, vous êtes au bloc, je passe par-dessus, je vise fond de terrain pour l'instant, ça fait point. 8-7, adapter son jeu à l'adversaire. Et au service, c'est Guillaume Respo qu'on retrouve. Et du côté du petit Saint-Michel, on ne parvient pas à défendre ce ballon. 8-9.
il est là, il est là. Et quand on vous dit avec Bruno qu'il est monstrueux en défense, Jérémy Mouillet, incroyable défense, permet à son équipe de recoller dans ce deuxième set, 9 partout. Maximum de bruit pour les deux équipes. Alors, les encourages. Eux aussi jouent depuis 10 jours. 10 jours de volée dans le sable, avec la chaleur et les soirées. Il voit qu'il y a un seul bloqueur, il joue une balle rapide pour que le bloqueur ne soit pas attent sur l'attaquant. 12-11, en faveur du sort bar. Il est là. Allez, vite, Michel dans ce deuxième set, 13-12. Dans le sable, défend ce ballon à un bras, un petit coup de poignet pour relever la balle. Et surtout, elle arrive dans les mains de son partenaire. Il ne défend pas le ballon n'importe où,
il le défend de manière à ce qu'il soit jouable pour une nouvelle passe. 13 égalité. Amir, Amir. Seul. Ouais, ouais. Encore, tu l'as, cap. Bonne chance, bonne fois. 14-13 pour le petit Saint-Michel. Changement de côté, 14 égalité. Alors on les applaudit très fort. Le spectacle est présent. Comme vous avez vendu du spectacle sur les finales, il est bien présent. 14 égalité. Il est là, il est là. Allez. Attaque. Yo. Ils se sont importants. Ils se sont importants clairement l'équipe de Petit Saint-Michel depuis le début de ce niveau 7. Ah oui, je vous ai dit, ils allaient réagir. 21-16 dans le premier, pour l'instant c'est le petit Saint-Michel qui mène dans le deuxième set, 15-14. Michel, 2 points d'avance, 18-16. Allez, allez. À nouveau, un point gratuit et 3 points d'avance à 2 points du 7, 19-16. Vont-ils réaliser l'exploit de recoller dans ce match à 1-7 partout? Ça tourne, ça tourne. Changement de côté. Ah oui, changer de côté. Bien vu, bien vu. On n'est pas habitué à ce changement à 7. Une balle de 7 en faveur du Petit Saint-Michel.
Ah, il a eu pris l'option de Gauthier. Et donc François qui se retrouve tout seul. Mais c'est toujours pas le 7. 18-20, vous pouvez toujours continuer à taper dans les mains. 18-20. Va-t-on avoir le droit à un tie-break? Allez, vous avez le droit d'aller avec le groupe. Un set partout. Qui va gagner cette 31e édition des Estivales de Volley? Allez, on compte sur vous pour mettre un maximum d'ambiance. Vous avez vu, lorsque vous les encouragez, lorsque vous faites du bruit, ils se dépassent, ils se surpassent. Cela les motive au maximum. Et oui, hein, vous avez clairement contribué à faire le spectacle et à motiver les joueurs sur ce match. C'est ça aussi qui fait la différence, et qu'on se retrouve avec une super finale avec des points incroyables. Allez, les joueurs, eux, vont donner leur dernière force. On compte sur vous, le public, également, pour taper les mains, taper les pieds, crier, encourager votre équipe préférée. Ça peut être le Petit Saint-Michel. Le Sambar, bien sûr, là, il y a aussi les supporters du Sambar. Oui, j'en entends. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de supporters pour le Petit Saint-Michel. Et pour le Sambar. Ah, début de ce tie-break 1-0 pour le Salva. Et celui qui sera gagnant de cette finale de toute façon, c'est Marco de Beach Team, puisqu'il équipe les deux équipes. De Jérémy Mouyel, qui permet à son équipe de très bien entamer ce tie-break 2-0. Allez, allez, joue, joue ça. Qui a laissé de l'énergie pour aller chercher le deuxième set. Tour open 5-4, principal final sur le terrain numéro 4, les arcades. Allez, fort ! Appelle-moi ça. Non ! Et point pour le Petit Saint-Michel qui casse la série. Marque son premier point dans ce tie-break 1-3. Allez, tout le monde est dans les mains. Allez, allez, allez. Dommage, dommage. Petite mésentente en défense. Oui, tie-break. En 15, donc changement tous les 5.
4-1 en faveur du Sorbar dans ce tie-break. Service. Dans ce tie-break de la finale du prestige masculin, 6 partout. Et quelle variété, quelle variété pour voter bonne foi à l'attaque. Capable de tout, ça bidouille, ça enroule fond de terrain, ça tape fort. Pour cette superbe finale, ce superbe spectacle pour ce dernier match de cette 31e édition des estivales de volleyball des Côtes d'Armor. Yeah.
pour Saint-Michel 8-7 dans ce tie-break. C'est bientôt la fin de ce match. 10 égalités. Nous sommes tout près de la fin. Et le suspense reste entier pour savoir qui va remporter cette finale du prestige masculin. Ce ballon, 11 partout.
Il y a juste la remise des prix que l'on va effectuer. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez les applaudir encore. La remise des prix, c'est dans un instant. Vous avez vu, hein, vous avez des beaux shorts. Si jamais vous avez aimé également les shorts, hein, l'équipe Beach Team est encore présente juste derrière le central. Si vous voulez avoir la même chose que ces champions, des beaux shorts de plage, de volleyball, de sport coloré. L'équipe Beach Team juste derrière le central, sous la tente. Vous proposez tous ces produits, n'hésitez pas à passer les voir. Et Gauthier qui va offrir son short, voilà, au public. Il fait le show toujours, Gauthier. Bravo, bravo pour cette victoire. Alors forcément la déception pour l'équipe Sorbar, deuxième défaite dans le prestige. Bien sûr, ils vont le revirer les prochaines. Ils vont pas laisser tomber et ils vont aller la chercher la victoire. Comme ça, il reste encore du public pour les applaudir. Je vais demander aux élus de venir nous rejoindre, aux partenaires de venir nous rejoindre pour la remise des prix, les photos. Oui, non, mais il y a d'autres affiches dans le prix. Et je vais pouvoir annoncer à toute l'équipe du Petit Saint-Michel qu'ils ont gagné les estivales. Et dès demain, je retourne travailler avec vous au Petit Saint-Michel. Super restaurant à Erquy, si vous ne connaissez pas. Je vous les conseille particulièrement. Et ils ont misé sur la belle équipe. Mimi ou Manon sont attendus au point info. Mimi ou Manon au point info. Allez, Guillaume, Noah, vous restez avec nous. Gauthier également. Jérémy, il ne doit pas être loin. On va faire la remise des prix tout de suite. C'est bon, on a les partenaires, s'il vous plaît. Voilà, la remise des prix. Jérémy, où es-tu parti? Il est là. Allez, le reste du public, je vous demande tout de même d'applaudir l'équipe Surf Bar, finaliste qui nous ont offert un superbe spectacle. Forcément, ces trois joueurs sont très déçus. Mais bravo, bravo à vous. Bravo pour votre sportivité, votre qualité de jeu. Vous êtes les champions. Ils n'ont pas gagné le prestige, mais ils ont tout de même gagné l'étape des Sables d'Or. Ils ont gagné hier l'étape de 5K. Ils ne repartent pas bredouille de cette 31e édition. Deux étapes gagnées, mais pas le prestige. Bravo, bravo, bravo François, Jérémy et François. Très, très belle équipe. Alors, les partenaires à Hélo. Madame le maire de 5K, le Bingo. Et nos partenaires qui offrent les cadeaux à cette équipe, très très sympathique équipe. Le Surf Bar, forcément, on les retrouvera l'année prochaine. Ils reviendront et j'en suis persuadé, ils gagneront les estivales. En tout cas, ils ont tout le potentiel pour. Bravo, et les grands vainqueurs, je les appelle sur le podium. L'équipe du Petit Saint-Michel. Noah, Guillaume et le dernier compagnon.
remercier le Petit Saint-Michel, vainqueur. Quelle très belle équipe, très spectaculaire également cette équipe. Bravo, bravo le Petit Saint-Michel. Ils avaient perdu en finale à Erquy. Ils ont fait un superbe tournoi à Erquy, battant tous les cadors. En tout cas, les supposés cadors de ces estivales. Et ils font une grosse perf avec deux joueurs. Guillaume, qui a joué dans 15 ans, Noah, tu vas les avoir. Vous vous rendez compte? Jamais d'aussi jeunes joueurs n'ont réussi à performer aux estivales. C'est la première fois que d'aussi jeunes joueurs vont en finale. Et non seulement vont en finale, mais la gagne. Il faut dire qu'ils étaient bien encadrés par Gauthier, joueur d'expérience, qui leur a inculqué la hargne également du jeu. Et de ne jamais rien lâcher, c'est son leitmotiv à Gauthier. Jamais un match n'est fini, jamais un point n'est fini. Bravo aux deux équipes qui se retrouvent ensemble. On peut les applaudir, ces deux équipes, pour ce formidable spectacle lors de cette finale. Et Saint-Michel, allez, allez. Et Saint-Michel, allez, allez. Allez, à la photo. Bravo. Et encore une fois, merci la municipalité de Saint-Calais-Guido, merci les services techniques, les partenaires, merci aux trois stations qui nous ont accueillis pour une légendaire. Hein. Elle était très belle, cette 31e édition du beau temps, un niveau de jeu exceptionnel. On se retrouve maintenant l'été prochain pour de nouveaux matchs, de nouvelles compétitions. Merci. Je serai sous d'autres cieux l'année prochaine.